Est obèse, il est spongieux, il a comme un énorme lézard sur la poitrine. Sa main, c'est comme une vraie nageoire, un pied d'éléphant. Et l'autre est fine comme une grande poupée. Il vole, on dirait qu'il parie. Monsieur Norman, la tête rêve, espoir, venez voir votre prodigé. Non. Vous avez découvert un traitement. Docteur Travis. Non, monsieur Norman, heureusement pour vous, n'est-ce pas? Vous trouverez, docteur, c'est sûr, la médecine finit toujours pas trouver. Vous trouvez mes trompes à laver, vous remarquez, vous trouvez mes empêtards. Le cynisme ne m'impressionne pas, monsieur Norman, je sais ce qu'il cache, mais je n'ai jamais su ce qu'il permettait de découvrir. Jimmy! Oui, monsieur Norman. Fais-les rentrer dans la salle, surveillez-les. Mary Kay, gravement malade. Je crois en l'absence de docteur. L'hôpital, c'est la solution. Je ne l'ai jamais empêché de venir vous voir. Et personne n'y distingue, il attend de d'éminents spécialistes. Vous auriez de me le dire avant, j'aurais peut-être pu vous aider. Ce sont de grands professeurs, des savants réputés. Je le sais. Ils parleront de mérite, ils vous rendront très célèbre. Je l'imagine, docteur Travis. Parfois, il ne veut rien entendre. Je ne peux pas annuler cette réunion, c'est impossible. Mais je ne peux pas l'obliger, docteur. Arrêtez, Norman, cela dépend de vous. Monsieur Merrick ne peut pas apprécier sa situation. Spécialiste qui t'attend et qui voudrait te voir, ce serait bien, tu sais. Je vous l'ai dit, docteur, il est têtu. Nous n'arriverons à rien, je le connais. Mais très bien, allez-y, docteur, essayez, vous en aurez peut-être. Pourquoi pas plus de chance que moi, et donnez-lui votre cas, il aime beaucoup les cartes. Je n'y manquerai pas, monsieur Norman. Jimmy. Laisse entrer le docteur Travis. Oui, monsieur Norman. Merci.
jouez avec moi. N'ayez pas peur, monsieur Méric, nous allons voir de très grands professeurs. Nous voulons votre bien. Venez, monsieur Méric, levez-vous, je vous en prie. Allez dans votre hôpital où il s'est senti comme du bétail, comme un animal sur un marché. Vous l'avez mis à nu, examiné, photographié. Tous les examens cliniques se font ainsi. Cela n'a rien de particulier. Je le sais, ce compte de la science, l'exercice de votre pouvoir, qui vous fait au pire que vous êtes des hommes, encore que nous le sommes. Docteur Travers, Jimmy. Oui, monsieur Norman. Maintenant c'est monsieur de l'hôpital Perron comme tout le monde. Monsieur Mary, ne veut plus faire aucune exhibition gratuite. Vous avez bien assez abusé de sa générosité et le besoin de gagner sa vie pour garder cette vie. Je vous en prie, ne parlez pas de dignité, vous qui ne faites que l'exploiter. Mais en attendant, je le paye dans tes travesses. Joseph Merrick est un malade, je dois l'amener à l'hôpital. Il faut y aller, mais de lui-même, comme il est venu librement, rejoindre les showmen. Jimmy! Ladies and gentlemen, en l'absence du conférencier et avec votre indulgence, je voudrais vous présenter Monsieur Joseph Merrick, l'homme éléphant. Sachez, Dr. Travis, que je partage tout avec Joseph. La recette s'en ferait intégralement, notre chambre avec tout lit en fer. Nous vivons comme de vrais fiancés, je lui donne à manger, je le lave. Je dors à côté de lui, je mange à côté de lui. Jusqu'à quand, monsieur Norman? Je ne sais pas, Dr. Travis, je fais simplement mon métier pour l'instant. Ce n'est pas ce métier. Pour vous, non. Pour nous, oui. Vous voulez que je le donne, docteur? Qui veut le nourrir? Qui veut un monstre chez lui? Je le donne, je le donne. La charité pour Elephant Man. Prenez le docteur. Joseph, tu veux aller à l'asile? Le docteur a une place pour toi avec les incurables. Taisez-vous. Tu veux donner ton corps à la science. Oh, indigné. Riche docteur, indignez-vous. C'est un bon sentiment, un sentiment de riche. Mais le nôtre, c'est l'humiliation.
pardonnez, ainsi monsieur Sinnerty, arrêtez là votre comédie. Je sais ce que c'est que la misère, je la traite tous les jours, je la connais bien. C'est vrai, vous la connaissez aussi bien que moi, mais vous ne l'avez jamais vécu. Ne méprisez pas cet homme qui n'a jamais accepté la moindre pitié ni la charité. Que je suis un monstre. Peut-être vous voulez me présenter, Dr. Frederick Travis Showman, présentateur de nouveautés. Merci beaucoup, Norman. Ce que vous faites est écrasant. Tendresse, suis-moi jusqu'au